Ce matin, vous parlez du curcuma. Est-ce que le curcuma est un anti-inflammatoire naturel? Est-ce que c'est un antioxydant? Pourquoi? Oui, les études se sont penchées dessus plusieurs années et continuent encore. Et aujourd'hui, c'est démontré que en consommant du curcuma, vous aurez la souplesse des articulations. On a fait des tests sur des rats, etc. Je vais pas rentrer dans tout ce qu'on a fait au laboratoire, mais je vous confirme que c'est un anti-inflammatoire. Donc, si vous avez les douleurs articulaires, ça c'est pour vous. Et puis, on a déporté aussi la consommation du curcuma. On a étudié les populations qui consommaient du curcuma dans leur système alimentaire, dans leurs habitudes alimentaires. Et on a constaté qu'il y avait aussi des résultats par rapport à d'autres populations qui n'en consommaient pas. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui vit en France. Et aujourd'hui, je vous parle de curcuma parce que nombreux m'ont contacté. Ils se lèvent le matin, ils ont la lourdeur matinale. Donc, ils se lèvent le matin, ils sont fatigués, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Même, ils n'ont pas de maladie, mais ils sont déjà fatigués. Le café, ça ne suffit plus. Consommer du curcuma. Mais, il ne suffit pas de consommer du curcuma parce que il va falloir savoir avec quoi ça va agir en synergie. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en tant que nutritionniste qui vit en France et qui travaille en France, bien entendu. Vous allez associer avec du chocolat, par exemple, avec de la légumineuse. Vous pouvez associer comme un condiment ou encore juste boire après un repas infusé ou mixé, comme vous voulez, dont il suffit de consommer. Vous pouvez aussi associer avec tout ce qui est de fruits de mer. Ça contient aussi du cuivre. Vous pouvez aussi associer avec du chocolat, tout simplement. Manger un petit bout de chocolat noir ou du cacao, dont les graines du cacao. Donc, il y a pas mal d'aliments comme ça qui contiennent du cuivre. Lorsque vous coupez le rhizome d'un curcuma, vous allez percevoir cette couleur orange, cette couleur qui ressemble à la carotte en fait. Oui, c'est le principe actif qui s'exprime parce que ça contient jusqu'à 90% de cet actif qu'on appelle la curcumine. Et c'est cette curcumine qui va faire le boulot en fait. Donc, c'est le principe actif du curcuma et ça domine dans bien de cultures. Déjà, vous allez voir comme dans la médecine traditionnelle en Thaïlande, en Inde, chez les Chinois en Chine, etc. C'est déjà utilisé depuis jadis et même en Amérique du Sud pour soigner pas mal d'affections dans la médecine ayurvédique si vous utilisez des manières naturelles pour vous traiter. Et bien aussi ici même, on a associé le curcuma dont la curcumine on trouve sous forme de gélules et tout dans les traitements pour des personnes qui sortent de la chimiothérapie. Donc pourquoi? Parce que non seulement c'est anti-inflammatoire, du coup ça va calmer les inflammations, les tensions, les douleurs, ça va aussi aider par rapport à tout ce qui est antioxydant, à stimuler le système immunitaire en général. Donc, cette curcumine, hein, c'est de la famille des curcuminoïdes. Donc, c'est vachement stimulant pour le système immunitaire, en fait. Et ça peut faire du bien parce que ça agit directement sur l'immunité, en fait. Et puis, ça va faire en sorte que vous puissiez refabriquer tous les jours au quotidien des éléments qui pourront vous permettre à combattre les tumeurs, en fait. Si vous êtes en convalescence et manquez d'appétit, si vous ressentez une lourdeur intestinale, si vous avez les intestins paresseux, donc, quand vous mangez, vous ressentez que ça ne fonctionne pas bien, vous avez un souci, là ça stagne, ça ballonne. Consommer du curcuma. Les caroténoïdes dont contient le curcuma, j'ai parlé de la curcumine. Donc ça va aider dans le sens où c'est anti-inflammatoire, oui, ça va calmer l'inflammation. Aussi, comme c'est antioxydant, ça va apporter tout ce qui est de stimuler le système immunitaire en général et aider le corps à vaincre, à combattre les tumeurs. Ça va aussi aider à combattre les nausées, à stimuler l'appétit en général, donc à stimuler parce que c'est des personnes qui vont manquer d'appétit. Bien que quand on sort de la chimio, vous savez tout ce qui se passe pour ceux qui sont passés. Donc, ça va aider aussi, par exemple, à régénérer les cellules assez rapidement quand vous avez des brûlures et tout parce que c'est antioxydant, donc ça va jouer sur le système immunitaire en général. Ainsi, si vous avez de la lourdeur intestinale, donc quand vous mangez, vous sentez que vous restez ballonné, vous ne comprenez pas pourquoi votre digestion est vachement lente. Donc, je vous recommande le curcuma. Il suffit de consommer parce que peu importe comment vous allez consommer, il n'y a pas de formule secrète. Il y en a qui vont introduire dans leur smoothie, d'autres dans leur salade, d'autres vont croquer et on peut mixer aussi avec des fruits, on peut mixer avec de la carotte. Mais l'association, ça agit plus en synergie avec le cuivre. Donc, quand vous consommez,
consommez du curcuma, par exemple, vous pouvez vous arranger à avoir des aliments autour comme de la noix qui contient du cuivre. Donc, la synergie avec le cuivre est conseillée. Moi, comment je consomme? Le matin, je vais consommer plutôt associé avec du raisin parce que ça contient aussi du cuivre et que le goût me plaît. Donc, quand je fais mon petit smoothie avec du raisin, je choisis un raisin, une marque de raisin pour garder ma ligne. Donc, j'associe mes soeurs, bien-être, etc. Moi, j'associe avec des petits raisins. On a telle marque de raisin. Je fais un petit smoothie, je mets une petite touche de curcuma et le tour est joué. Pour ceux qui cuisinent, vous pouvez faire aussi à la pomme de terre. Ça contient du cuivre. Donc, l'essentiel, c'est pas de consommer parce que vous pouvez consommer quelque chose, même en complément alimentaire. Mais ça ne rentre pas dans votre corps pour faire ce qu'il faut. Donc, si vous consommez, ça peut sortir aussi si ça ne trouve pas des éléments qui vont l'accrocher dans votre corps. Donc, comme je vous disais, curcumine, ça va coincé, ça va rester en présence du cuivre. Donc, on maximise les apports en cuivre et on est sûr de pouvoir avoir les bienfaits de notre curcumine, de notre curcuma.